Java, stop, stop. C'est bien. Come, mommy. Yep, yep, yep. Hey, hey. Yves Vincent, berger sur le plateau de d'Elme. Ouais, c'est parti. Là-bas, j'ai fait une école agricole. Après, j'ai fait une école de berger. Je voulais être fromager de montagne. Bon, ici, c'est tranquillou, quoi. Ça va. Alpa, ramène tout doux. Et ramène tout doux. Tout doux, ramène. Oh, mamie. Yop, hey. Hey. Come, yop. Ouais, elles veulent rien savoir. Quoi, moi, elles sont habituées à ce que je leur... Que je les appelle comme mamie. Parce que pour moi, c'est toutes des mamies, quoi. Et ben là, on va déplacer les bêtes pour aller sur un site un peu plus sensible où je dois faire juste quelques passages. Assez pas rapidement, parce que là, elles sont pas pressées. Quand il fait bon comme ça, elles sont pas... Allez, pousse! Tu pousses doucement. Stop! Stop, j'ai dit! Retour gauche. Gauche, 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 gauche. Allez, pousse, 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 pousse. Il en profite. Dès que je discute avec du monde, il en profite pour aller aux moutons. Les moutons, c'est... c'est leur jouet, quoi. Des fois, il les déplace, il les emmène là où il veut. je vais éviter de le faire travailler, quoi, maintenant. Il a l'âge de la retraite, quoi, il a assez bossé. Ah ouais. Mais maintenant, ça va être un chien de canapé, quoi. Ça... viens là, viens. Ouh, copain. Viens là, copain, viens. Viens là, viens. Bébé, viens là. Il y a des endroits où c'est vraiment... On rencontre personne, quoi. Dans la saison, dans les Pyrénées, il nous est arrivé de rencontrer en gros une dizaine de personnes sur la saison, pas plus. Ici, ça va, on est à 30 km de Nancy, 30 km de Metz, quand on veut se prendre un bain de foule. Je connais par cœur ce site. Au bout de 10 ans, c'est normal. Bon, il arrive un moment, on aimerait bien voir autre chose, quoi. J'aimerais bien partager, j'aimerais bien qu'on fasse des échanges avec mes potes bergers. Et puis c'est aussi un travail d'extrême, quoi. C'est une condition physique qu'on essaye de garder, quoi. Parce que c'est pas tous les jours facile, quoi. On fait des kilomètres, hein, quand on est... Bon, plus maintenant, parce que moi c'est un peu ma retraite ici. Hein. Mais c'est partir le matin avant le lever du soleil et puis revenir pour le coucher, quoi. Ça fait plus de 20 ans qu'on est en caravane, on en a par-dessus. Moi, elle me sort par le nez, quoi. Donc, puis maintenant, on s'est installé ici, je pense que, ouais, on va poser nos bagages ici, pour de bon.